parfois les choses ne se passent pas comme prévu et on se retrouve à gérer une urgence médicale. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu trois des outils que l'on a à bord en tant qu'agent de bord pour votre sécurité. Soyez les bienvenus. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a des médicaments qui sont très très forts, le genre de choses que l'on va trouver en hôpital, qui sont à bord et qu'on va pouvoir administrer en cas de besoin. Je fais cette vidéo aujourd'hui un petit peu pour vous rassurer, surtout si vous êtes un passager nerveux et vous demandez un petit peu comment ça se passe si jamais il y a une urgence médicale et qu'il vous arrive quelque chose, allez voir qu'on est formé et on a les outils pour pouvoir s'occuper de vous. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis franco-québécois et je vole au-dessus du Pacifique. Et je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube pour vous donner des informations sur la vie des agents de bord, sur comment se passe le transport aérien et vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de vous lorsque vous voyagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge et vous pouvez également activer la cloche pour être notifié lorsqu'il y a une prochaine vidéo. Et si vous l'aviez déjà activée dans le passé, vérifiez si elle est toujours activée parce qu'il semble qu'elle se désactive toute seule en ce moment. Alors je vais vous présenter trois choses aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle le kit du médecin. Donc c'est une valise qui va avoir différents formats que l'on va trouver essentiellement sur les vols long courriers, surtout si on doit voler au-dessus d'un océan et qu'on n'a pas facilement la possibilité de dérouter vers un autre aéroport près d'un hôpital. Donc si jamais on est amené à donner des soins intensifs à bord, il faut qu'on ait les outils. Alors cette trousse, elle est achetée directement par la compagnie auprès d'un fournisseur. Dépendamment des pays, dépendamment de la compagnie, on va trouver des produits qui vont être différents. La présentation peut être un peu différente. Moi, la mienne, c'est une trousse qui est souple avec des pochettes de couleurs à l'intérieur. Chaque couleur va représenter un certain type de produit. Alors par exemple, tout ce qu'on va trouver dans la pochette bleue va être pour tout ce qui est voie respiratoire et tout ce système-là. Tout ce qui va être rouge va être plutôt pour le réseau sanguin. Donc ça va déjà nous aider dès le départ à trouver la bonne chose. Mais j'aime beaucoup aussi la valise qui est utilisée par Air Canada, puisque au lieu d'avoir des pochettes avec à l'intérieur des médicaments qui sont dans leur boîte, là on va trouver directement les médicaments visibles du premier coup, puisque tout va se trouver directement à l'intérieur de la petite valisette. Et puis ensuite on a certains niveaux sur lesquels on va trouver les autres outils. On a plein de choses, on est capable de faire des intraveineuses, même si je ne sais pas le faire, mais si une infirmière se trouve à bord, elle sera capable de faire une intraveineuse, on va pouvoir lui donner les outils pour le faire. Et on va même trouver des choses comme les clips qu'on va mettre sur le cordon ombilical si jamais on doit couper le cordon dans le cas d'une naissance. Comme je le disais tout à l'heure, on va trouver non seulement des médicaments que l'on va trouver normalement dans le commerce, mais aussi des choses qu'on va trouver essentiellement en hôpital qui sont là vraiment pour gérer des situations d'urgence. Alors comment ça se passe? On n'est pas médecin, nous les agents de bord, on a une formation premiers soins qui est quand même assez poussée, donc en général un petit peu plus avancée, mais je ne peux pas faire une intraveineuse par moi-même, je ne sais pas le faire. Donc si jamais il y a une urgence médicale ou si un passager commence à se plaindre qu'il a une douleur ou quelque chose, on va appeler un service de médecin au sol. La plupart des compagnies ont accès à 24 heures sur 24 à un service d'assistance, donc on va devoir appeler un médecin. Mais avant de l'appeler, je vais avoir besoin d'avoir certaines informations. Je vais devoir parler avec le passager s'il est conscient. S'il voyage avec quelqu'un, en général, ça va être beaucoup plus pratique parce que son compagnon de voyage va pouvoir me donner les informations. En gros, j'ai besoin de savoir l'âge du passager, savoir s'il a déjà une condition médicale, si jamais il a des médicaments qu'il a pris dernièrement, quel est dans son traitement habituel, quels médicaments il a pris avant de voyager, dans quelle quantité et à quelle heure. Et puis, je vais observer ses symptômes et écouter éventuellement les problèmes qu'il me décrit. Une fois que j'ai ces informations-là, elles sont notées sur un formulaire que j'ai à bord avec moi, je vais aller directement sur le cockpit et je vais demander à ce qu'on appelle le service d'assistance médicale. Le service que ma compagnie utilise s'appelle MedLink, qui fait partie du groupe MedAir, et donc on va les appeler, une opératrice va prendre toutes les informations et en moins d'une minute, je vais transférer à un médecin qui va me donner les instructions. Parallèlement, en cabine, on va avoir fait une annonce pour demander à un médecin de se présenter ou éventuellement un infirmier, une infirmière ou un secouriste qui pourrait vraiment nous aider. Si on a la chance d'en avoir un, et heureusement ça arrive très très souvent, dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer le médecin de MedAir directement au téléphone avec cet urgentiste ou cette personne qui peut m'assister en cabine. J'ai la possibilité de transférer l'appel du cockpit directement sur un des intercoms de la cabine. Tout simplement parce qu'ils vont pouvoir se parler directement, MedAir va savoir exactement quel médicament est disponible, dans quelle pochette, de quelle couleur ou à quel endroit dans la valise. Et puis le secouriste a une meilleure connaissance que moi et donc va pouvoir les utiliser directement et va savoir comment mettre éventuellement, comme je le disais, une intraveineuse. Donc on n'est pas à un hôpital, je ne peux pas faire une radio, je n'ai pas de système de rayon X, mais j'ai quand même de quoi soulager beaucoup de choses. En plus de tout ce qui va être bandage, etc., où là j'ai des quantités assez importantes de bandages et de pansements pour pouvoir soigner une blessure.
Dans certains cas d'urgence, on va avoir besoin d'un défibrillateur. Alors un défibrillateur, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas que dans les avions, mais maintenant la plupart des avions vont en avoir. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un défibrillateur, c'est un système qui va être capable de délivrer un choc électrique de manière à réaligner le battement cardiaque. Lorsque le battement cardiaque devient anarchique, on appelle ça la fibrillation, et la défibrillation, c'est le fait de réaligner justement ces battements cardiaques. Et donc ce sont des électrodes qu'on va placer directement sur la personne. Alors comment ça se passe? En général, il faut d'abord que la personne soit inconsciente ou ne respire pas ou ne soit pas capable de parler. Et donc si on estime qu'il n'y a pas de signe de vie, on va commencer le massage cardiaque et un de mes collègues va aller chercher le défibrillateur qui se trouve en cabine. Pendant ce temps-là, on va devoir déshabiller la personne puisqu'il faut qu'évidemment les électrodes soient placées directement sur la peau. Si cette personne a beaucoup de poils, on va avoir un rasoir, on va la raser rapidement parce qu'il faut que le contact des électrodes soit vraiment bien sur la peau et les poils pourraient justement supprimer ce contact. Aussi, une petite chose à faire si jamais vous utilisez un défibrillateur une fois, c'est vérifier s'il y a des bijoux métalliques qui sont assez longs et qui pourraient justement toucher les électrodes. Ils doivent être retirés. On continue le massage cardiaque. Pendant ce temps-là, on va placer les électrodes. En général, il y en a une qui va se trouver au niveau du bas du tronc et l'autre qui va se trouver à l'opposé en diagonale. Et puis, on va allumer la machine. À ce moment-là, la machine va faire une analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas la victime. Une analyse du rythme cardiaque va être effectuée. Et va nous indiquer si un choc électrique est requis. L'utilisation de cette machine, c'est très simple. Et vraiment, je vous invite à regarder des vidéos. Je vais vous en mettre une dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo, vous allez voir à quel point il est facile d'utiliser ce genre de machine. Si jamais un jour vous avez besoin d'en utiliser une, vous allez voir que c'est très très simple. Mais juste regarder la vidéo avant, honnêtement, ça va vous prendre 2 minutes et vous serez familiarisé avec elle. Le choc est nécessaire. Ne touchez plus la victime. La machine parle, elle nous dit ce qu'il faut faire. Donc si le choc est requis, la personne qui est près de la machine va devoir s'assurer à ce que tout le monde soit vraiment dégagé, que personne ne soit au contact physique du passager pour ne pas se faire électrocuter. Et également, si jamais on avait amené une bouteille d'oxygène, on va dégager la bouteille d'oxygène parce que ça ne sera pas très bien à ce que l'électricité passe à l'intérieur. Lorsque tout est dégagé, on va appuyer sur le bouton et le choc électrique va être délivré. Attention, le choc va être délivré. Ensuite, le système va continuer à analyser et va nous dire ce qu'on doit faire, si on doit continuer le massage cardiaque ou si jamais un autre choc devra être délivré. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la fin, soit la personne reprend ses esprits, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de la machine. Un défibrillateur, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Moi, j'habite dans un petit immeuble où on est 21 appartements à l'intérieur et j'ai convaincu la copropriété à ce qu'on en achète un. Donc, on en a un qui se trouve dans le couloir au deuxième étage. C'est un immeuble de 4 étages, donc on l'a mis au milieu. Mais sinon, vous allez en trouver parfois dans les banques. Je sais que là où j'habite, toutes les banques sont en ont. Les centres commerciaux sont obligés d'en avoir, mais malheureusement, il n'y a pas de loi qui dit que les immeubles résidentiels devraient en avoir un quelque part dans le lobby ou près de l'ascenseur. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Ça doit valoir à peu près aux alentours de 1 500 €. Donc si c'est partagé avec les frais de la copropriété, c'est pas quelque chose qui est très très cher et ça peut sauver des vies, vraiment. Et enfin, le troisième outil de sécurité que je voulais vous présenter, ce qu'on appelle le beacon. Pas le bacon que vous allez manger avec les œufs, mais le beacon. Le beacon, c'est un élément de transmission qui va transmettre votre position. Il est utilisé en général dans les avions. De toute façon, vous en avez qui sont permanents, qui sont fixes dans l'appareil, qui permet justement de savoir en tout temps où se trouve l'appareil. Mais vous en avez qui sont portables, qu'on va utiliser en cas d'urgence, si jamais on a dû évacuer l'avion dans le cas d'un amérissage ou d'un atterrissage d'urgence. On appelle aussi le beacon un ELT, ça c'est le terme vraiment technique, ça veut dire Emergency Locator Transmitter, donc ça va transmettre votre localisation. Et en fait, ça a plusieurs formes, je vous ai mis 2 photos sur l'écran, donc vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler, mais le principe est toujours le même. Le beacon va envoyer un signal, donc lorsque le beacon est activé, le signal est envoyé, le centre de contrôle va savoir où vous vous trouvez, et ensuite vous envoyez les recherches locales avec les ressources locales pour justement venir vous rechercher et vous secourir. Donc c'est un système qui est très très basique, qui est très simple. Les beacons sont toujours prêts à être activés. Simplement, certains ont besoin d'être activés avec de l'eau saline. Lorsque vous êtes dans la mer, si jamais on doit évacuer, on va attacher le beacon à un gilet de sauvetage supplémentaire. On va bien l'attacher pour ne pas qu'il coule, mais ensuite, on va laisser traîner le gilet de sauvetage qui va être attaché au radeau de sauvetage. Donc, il ne va pas être dans le bateau, il doit être à l'intérieur de l'eau et il va continuer à transmettre. Sur le Boeing 787, le Dreamliner que moi j'utilise, on a 3 beacons à l'intérieur, donc 3 beacons dans l'avion complet. Faut savoir que y a des gens qui vont évacuer à droite de l'avion, dans des radeaux, il y en a qui vont évacuer à gauche. On va essayer de mettre les radeaux ensemble, mais malheureusement, les radeaux qui se trouvent à gauche ne vont pas forcément facilement aller rejoindre ceux qui se trouvent à droite. Donc c'est pourquoi on a besoin d'avoir au moins 2 beacons. Là où je travaille, on en a 3 sur le Boeing 787, un à la porte numéro 1, un à la porte numéro 3 qui est au milieu de l'avion, et un à la porte numéro 4.
Alors, je vous ai parlé d'eau alcaline et donc, si jamais on se retrouve dans la montagne ou dans le désert qu'il n'y a pas d'eau alcaline, dans ce cas-là, vous avez quand même un liquide qui va avoir des sels minéraux qui va pouvoir être utilisé, c'est l'urine. Donc, on devra faire pipi sur le beacon, mais dans le cas de situation, je pense que ça ne gênera personne et donc ça va activer le signal. Alors, il existe certains cas où le beacon ne peut pas être détecté, où c'est plus difficile, simplement parce qu'il doit être directement en vue du ciel pour que le satellite puisse le voir. Donc, si vous êtes dans l'ombre des montagnes, ça peut interférer justement le beacon jusqu'à ce que le satellite soit vraiment au-dessus de vous, mais pas sur le côté. Si vous êtes caché par des arbres, même chose, ça peut bloquer. Et puis, si vous êtes dans un immeuble ou protégé par une bâtisse ou si vous êtes dans le béton. Des beacons, ça, ce sont les beacons qui sont utilisés pour les avions. Vous avez aussi des beacons qui sont plus petits, de la taille d'un paquet de cigarettes, qui peuvent être utilisés de manière personnelle. Ce sont souvent, par exemple, les gens qui font du ski hors piste qui peuvent avoir un beacon. Et donc, si jamais ils se retrouvent dans une avalanche, ça va pouvoir permettre de les localiser. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on active un beacon par erreur? Eh bien, en fait, on a le droit, les 5 premières minutes de chaque heure, le signal ne sera pas traité par le centre de secours, tout simplement parce que c'est la période de test. Donc, entre minuit et minuit 5, entre 1h et 1h05, 2h et 2h05, etc., etc., ces signaux-là ne seront pas reconnus. Ça permet justement de pouvoir le tester. Si par contre, à minuit 10, j'active un beacon par erreur, il faut tout de suite que je prévienne le centre pour leur dire que c'était une erreur et qu'ils annulent ma demande. Sinon, je me retrouver avec des secouristes qui vont me cogner à ma porte. Alors ça, ce sont 3 des outils de sécurité qu'on a à bord, on en a beaucoup plus, j'en évoquerai d'autres un peu plus tard dans d'autres vidéos, mais je pensais que ça pourrait vous intéresser, puis rassurer ceux d'entre vous qui éventuellement toujours la peur de voler, pas seulement par rapport aux turbulences, mais par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc on est formé pour pouvoir utiliser tous ces outils-là, on les a à bord, lorsqu'on arrive à bord, on doit vérifier qu'ils fonctionnent, dans le cas du beacon, on doit vérifier est-ce que la batterie soit chargée, et on a un indicateur visuel qui va nous l'indiquer. Pour la trousse du médecin, on va vérifier si elle est là, il y a des scellés dessus, donc s'ils ont été décellés, on va les changer directement, on va demander à un ingénieur d'en amener une nouvelle. Et puis dans le cas du beacon, c'est très facile, on doit vérifier est-ce qu'il est là, et puis dans certains cas, ils doivent être en position armée. Mais la batterie ne commencera à fonctionner que lorsqu'il sera immersé dans l'eau, et puis de toute façon, il y a aussi une date d'expiration sur laquelle la batterie va être automatiquement remplacée, donc les ingénieurs vérifient ce genre de choses. Donc soyez rassurés, on sait comment utiliser ces outils, et avant chaque vol, lorsque un équipage arrive à bord, la première chose qu'ils font, après avoir déposé leur bagage de cabine dans les rangements, c'est de s'assurer à ce que tous les équipements de sécurité soient vérifiés et soient opérationnels. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu plus sérieux que les dernières vidéos que j'ai faites. Si vous aimez ça, n'hésitez pas, mettez un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne à être un peu plus visible. Si vous avez des questions ou si vous avez déjà vu l'utilisation de ces outils-là, n'hésitez pas, racontez-les-moi dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine ou sur Instagram en attendant pendant la semaine. À bientôt, salut.